Un des vieux moines a écrit ça. Oh, oh, oh. Toute la bande est là. C'est une porte, ça? On dirait une porte. Ouais, mais je vois pas comment l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ces symboles d'étoiles? Jésus? Dismas à gauche. Le voleur pénitent. Guest à sa droite. Le mauvais larron. On dirait qu'Avry avait un petit faible pour Saint-Dismas. En fait, Avry se considérait comme un bon voleur, tu vois. Il ne pillait et n'assassinait que des barbares non britanniques. Et ça suffisait à en faire quelqu'un de bon à l'époque. Ou de moins mauvais. Voilà de quoi nous éclairer. Hé, le clopeur, j'ai besoin de ton briquet ici. Ça me blesse que tu m'appelles comme ça. Alors que fumer, ça te fait un bien fou. Merci, Mère Teresa. La lumière provient de l'autre côté du mur. Alors, voyons voir. Je peux diriger les lumières. Oh, 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 c'est tellement bon d'être là. Ah, nous y voilà. Ouais, super. Relie les points. Je crois que c'est bon pour celle-là. Attends, ça y est, t'as trouvé. Ok, qui ne tente rien n'a rien. C'est ça. Mauvais trésor. Chut. Magnifique cette vue, mais toujours pas de trésor. C'est vrai, mais... Est-ce que tu vois ces croix, là? Ouais, mais est-ce que c'est une grotte, juste en dessous? Ouais, je crois qu'Avry essaie de nous indiquer la prochaine étape. Mais on va avoir un léger problème. Si on repart par là, on doit retourner vers la cathédrale. Et on retourne vers Rafe. Merde. Bon, ne le faisons pas attendre.
des nouvelles du groupe d'éclaireurs là-haut? Aucune. Tu crois qu'on a des invités? J'espère que non. La tempête fait déconner les radios. Elles servent quasiment à rien. Si on n'a aucune nouvelle de bientôt, je vais aller les voir. Oh. Allez. Une seconde. On les tient. Je crois qu'on est bon. Eh ben, ça aurait pu mieux se passer. Ouais, mais bon, on respire encore. C'est le principal. Allons ouvrir ce portail. Comment tu te sens? Oh, super! J'espérais un peu trouver le trésor là-bas. Ça aurait été trop facile. Je sais exactement de quoi tu parles. En plus, il y avait ce truc cool avec la constellation. Ouais, c'était cool. Juste là, sous cette grande croix. C'est là qu'Avril veut qu'on aille. Bien, si Avril veut que ses désirs soient des ordres. Petit, c'est quoi la situation? Ça va, Sully? On continue à suivre la piste, mais le trésor est plus près de la cathédrale que ce qu'on croyait. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, t'as qu'à laisser tourner les moteurs. On sera de retour dans pas longtemps. No problemo. Tiens-moi au courant. Ça marche.
je les entends. Ça devient très agité par ici. Tu devrais apprécier les temps calmes plus que n'importe qui d'autre. Faudrait mieux éviter qu'ils nous attribuent un nouveau forme. Et si tu parlais de ce que tu connais, hein? Aujourd'hui, on appelle n'importe qui. Qu'est-ce qu'on a là? Juste pour faire le buzz. Attention. Bon, il est où ce con? C'est bon, Nathan, on les a semés. J'ai comme l'impression qu'on peut pas échapper à cette... Ouais, et plus on approchera de la cathédrale, plus ils seront nombreux. Ok, j'arrive. Voilà. Viens, je vais te faire monter. Ok. Ah, merde. Je suis trop haut pour t'atteindre. Attends deux secondes. Je m'accroche. Je vais aller voir ce qu'il y a à côté de la structure en bois. Hey, j'ai trouvé quelque chose. Putain, c'est lourd ce truc. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Je te prépare. Un moyen de monter. Ça pourrait même supporter ton poids. Ah, merci. Je crois que c'est les moines qui ont construit ça. Impossible. C'est un genre de système de poulies. Genre, pour soulever un gros trésor? Pour soulever quelque chose. Comment j'ai pu passer à côté? Bah, faut croire qu'on était destinés à le découvrir ensemble. Oh, c'est romantique.
un passage pour descendre la falaise là-bas. Enfin, à condition d'éviter cet énorme toboggan. Est-ce que tu crois que c'est les moines qui ont construit ça? Impossible. C'est un genre de système de poulie. Genre, pour soulever un gros trésor? Pour soulever quelque chose. Comment j'ai pu passer à côté? Passage pour descendre la falaise là-bas. Enfin, à condition d'éviter cet énorme toboggan vers l'eau. Thank you.
Par ici. Tu vois ça? Très bien joué. Ok. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. J'espère que ça va tenir. J'espère que c'était une bonne idée. Rejoindre d'ici. Tu t'en sortirais sans moi? Sûrement à la maison, à boire du chocolat chaud. T'as quel âge? 5 ans? Oh, me dis pas que tu ne boirais pas un bon chocolat chaud, là. Ouais, bon, c'est sûr. Exactement. On est plus très loin de Rafe. Ouais, je sais. La tempête se lève rapidement. Tu
resté trop longtemps dans le sud du Soudan. Je suis pas un reptile comme vous. J'ai le sang chaud, moi. Ok, c'est fini. J'espère qu'on en a fini avec ces cons. Ouais.
J'espère qu'on en a fini avec ces cons. Ouais. Pardon ! Ok, c'est fini. J'espère qu'on en a fini avec ces cons. Ouais.
Ok, c'est fini. J'espère qu'on en a fini avec ces cons. Ouais. Attention, ça pourrait devenir instable après l'explosion. Qui s'amuse à creuser avec de la dynamite? Des mercenaires. Je croyais que Rafe avait plus de bon sens. Et Sam, viens m'aider avec ça. Et si jamais c'était le seul truc qui faisait tenir le tunnel? Dans ce cas, je m'excuserai. Bon, d'accord. Tu vois? Aucun problème. Ouais, pour une fois. Par là. Ouais, ça devrait le faire. Hé, t'as intérêt à faire attention là-dessus. Hé, regarde en bas. On dirait bien des vieux bateaux de pirates. C'est bon signe. Bien faire attention. Merci. Ok. Ah. Ok, tout va bien. Tout va bien. Ouh.
La tempête se lève, vous avancez bien? On est sur le point d'entrer dans la grotte. La grotte? Oui, on risque de perdre le contact un petit moment. Mais t'inquiète pas. Ok, alors je reste en stand-by. Ok, on se contacte très vite. Ah. On a réussi. Ça fait un sacré détour. Allons voir ce qu'Avry nous a laissé. Ouais, allons voir. Ces enfoirés de Shoreline étaient juste à côté de cette grotte. Ouais, je crois qu'on est les premiers à aller à l'intérieur. Allez, par ici. J'ai bien fait de pas trop manger ce matin. Nous avons donc des statues de Saint Dismas flippantes. Et des escaliers taillés dans la roche. Attends, je crois qu'on peut dire qu'on est dans une grotte de pirates. Oh, c'est pas une porte, ça? Ah, mais si, on dirait bien. Approche. Viens voir ça. C'est gluant. Je sens une sorte de levier au fond. Eh ben, allez, actionne-le qu'on voit. Quoi? Ça pourrait être un piège. T'es déjà dedans, alors je vois pas ce qui pourrait t'arriver de pire. Je pourrais perdre ma main. On te trouvera un crochet. Te fais pas prier. Crochet. Allez, on y va. T'es sérieux? Nous y voilà. Plutôt sympa, la déco. Alors que le paradis se destine aux valeureux sols, les cœurs infidèles n'auront eux qu'un linceul. De toute évidence, Avry était meilleur pirate que poète. Sauf que c'est pas d'Avry. Comment ça? Regarde. C'est le pirate de Rhode Island. Thomas Tew? Mais non, c'est pas possible. Je veux dire, je vois bien que c'est son emblème, mais Tew est mort en attaquant la même flotte au trésor qu'Avry. Oui, enfin, si on en croit les légendes. Si c'est bien l'emblème de Tew, alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire. Mais comment? Très bonne question. C'est qui ces types, d'après toi? Bah, ceux qui ont le cœur infidèle, j'imagine. J'ai l'impression qu'Avry ou Thomas Tew essaie juste de nous faire peur. Heureusement qu'on est des chasseurs de trésors aguerris. Heureusement. Ce pont m'a l'air aussi sûr que tout. Oh! C'est bon, ça tient, allez. Ces ponts ne sont vraiment pas construits dans les règles de l'art. Bien sûr que si. Dans celle des pirates. On rentrera pas par là. Au moins, je suis pas tombé dans un trou ou un truc dans le genre. A l'air compliqué. Je crois qu'on peut le dire.
trouver un autre. Attends, je vais seulement lui enlever la main. De là. Oh. Hein? Ouais, j'ai un peu de test. Tu peux m'améliorer. Une preuve. Ouais. Ce gars-là, il a dû échouer. Va falloir faire mieux. Il y a quelque chose sur le bas, là. Ouais, c'est un seau. Ok. Et maintenant ? Je crois qu'on peut le dire. J'ai trouvé un autre intérêt. Attends, je vais seulement lui enlever la main. De là. Oh. Eh ben. Il est un genre de test. Tu peux l'appeler. Une épreuve. Ouais. Ce gars-là, il a dû échouer. Va falloir faire mieux. Il y a quelque chose sur le bas, là. Ouais, c'est un seau. Ok. Et maintenant ? Voilà, il est plein. Ok, passe-le-moi. Je vais le remettre dans cette espèce de grande roue. Ce que font ces roues. Ok, je crois que je comprends ce qui se passe ici. C'est en rapport avec les trois croix ? Ouais. Je crois qu'on est en train de regarder Jésus, notre gentil voleur Dismas et le mauvais larron Gastas. Dans ce cas, ça veut dire que la croix blanche est Dismas. Alors la noire est sûrement Gastas.
Voilà. Sam, est-ce que Dismas était à la gauche de Jésus? Ça dépend. Tu les regardes de devant ou de derrière? De devant. Alors oui, il était à gauche. Ok, c'est ce que j'ai là. Il y a quelque chose qui a bougé là-haut quand t'as posé le seau. Il y a une gouttière qui va du mécanisme jusqu'à la porte. Ok, alors le seau est bien là. On le laisse. Ok, là ça doit être bon. On va tout de suite le savoir. On y va? Alors tu veux actionner l'interrupteur? Oh non, 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 je voudrais surtout pas te priver de ce privilège. Alors, dis-moi, si c'était un test, d'après toi, qu'est-ce que ça testait exactement? Si on sait remplir un seau? Il fallait bien connaître l'histoire de Saint Dismas.
qu'Avery et tout son équipage connaissaient sur le bout des doigts. Pas si compliqué que ça comme test. Mais c'est peut-être pas le seul.